Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Farming Simulator 19 pour notre série Partir de zéro, épisode 11 de cette série. Donc j'ai changé de map, donc là on va ramener le matériel qu'il faut. La ferme. Juste baisser le truc. Si le jeu va bien. Si tu veux bien. Donc, voilà. Du coup, vous l'avez vu sur l'accéléré, si tout va bien maintenant, vous avez dû avoir l'accéléré normalement. Deux moissons de soja que j'ai fait, donc ça m'a rapporté pas mal d'argent quand même. Ça a dû me faire plus de 200 000 euros. Mais malheureusement, j'ai voulu modifier donc ce Renault-là. Alors c'est pour ça que vous voyez que la masse, elle est couleur dégueulasse. Et le Renault est tout propre, c'est que je viens de le racheter. Donc si vous regardez, il a que 10 minutes. Oups. Il faut savoir que sur le Renault, on peut ouvrir les carreaux, donc le carreau arrière et la porte de gauche. Voilà, donc on est sur la map Ardennaise, donc une map très bien. Donc on sera plus sur la map Belgique profonde, parce que elle était pas optimisée à fond. Donc ça sera une vidéo courte où là je ramène le Renault à la ferme. Désolé des petits coups de lag parce que ça charge et tout. On prend ici. Alors il y a deux fermes, il y a une ferme céréalière et une ferme vache, mais qui peut être aussi ferme céréalière. Donc voilà, donc on peut acheter les champs. On peut acheter les champs. Désolé des petits coups de lag, je sais pas pourquoi. Pourtant, ouais, je tourne à 30, ça dépend. Ouais. On peut acheter les champs, on peut pas les acheter un par un en fait. Donc en fait c'est toute la map qu'il faut acheter une seule fois. Donc ça coûte quoi, 2000 euros. Voilà. Donc là vous voyez avec alors vous verrez que j'ai que les deux tracteurs. Alors vous verrez que le Renault il est dégueulasse de chez dégueulasse. Hein. Il a bossé. Parce que comme j'ai voulu modifier le tracteur, donc je vous montre la dossier d'ensilage. On a un bâtiment pour la paille là-bas. Comme j'ai voulu modifier le Renault, mettre le vrai prix. Alors ce Renault, il ne freine pas. Bah il freine, mais il faut mettre du temps. On va dire comme c'est une vieille série. Donc là, j'avais peut-être prévu de mettre peut-être de la paille ou les machines. On verra bien. Donc ici, on peut passer par là. Donc là, les vaches, elles traversent la route. Je vous montrerai. Alors attends, il y a déjà break. Alors certains endroits sont en collision. Donc on a un bâtiment ici où je mettrai peut-être tout le matos de travail. Ouais, pour faucher et tout. Là on a l'eau, donc c'est cool. Donc la paille ici. Et donc là où il y a l'engrais et tout, je mettrai tout ce qui est semoir ou engrais. Pulvérisateur. Donc voilà. Alors vous voyez à côté le Renault est dégueulasse. Alors. Alors pour l'instant on a que ça en matos. Alors il faut faire deux clics et on ferme. Alors est-ce que j'ai fait la porte, c'est fermé. Hop. Voilà, les gyros sont enlevés. Donc c'est une très belle map.
Alors on passe à travers parce qu'il n'y a pas de collision. En fait, cette map a été faite pour un gars qui avait un petit PC, donc bon, pour moi ça tombe bien aussi. Désolé pour les notifs Steam. Donc vous voyez, il a tellement travaillé. Bon, il a travaillé, il a fait 4 heures au compteur. Et il est pas mal dégueulasse. Donc il a fait du pulvé, il a fait du semoir sur la map Belgique profonde. Je peux vous montrer, regardez, hop, 4h03. Il est vraiment dégueulasse. Bon, vu que la salissure est un peu surjouée, hein. Il est pas sale jusqu'à la cabine. Hein. En vrai, t'as peut-être la moitié du tracteur. Hein. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc ici, alors je vais pas vous montrer l'autre bâtiment parce que peut-être qu'on le verra au fur et à mesure de la vidéo. Donc je crois qu'on est à l'épisode 12, je sais pas. Donc ici, on a tout ce qui est. Ici, on peut stocker ce qu'on veut. Donc voilà. Alors. Ici, on peut vider et on peut remplir. Donc voilà. Ouf, ouais, je passe à travers. Hop. Voilà. Ici, on peut stocker ce que vous voulez. Hein. À vous de voir si vous voulez faire mettre des sacs d'engrais, vous mettez des sacs d'engrais et tout. Moi, je mettrai des sacs et tout. Donc, on a le chien, on a le pour acheter les vaches. Alors, vous allez dire, mais il manque Mick. Il manque pas mal de matos. Oui, il manque la remorque, il manque le cultivateur, il manque le. Et voilà. Bon, allez, viens avec moi, toi. Allez, viens, mon gros toutou. Donc, je sais que le petit toutou, voilà, on n'aura pas besoin de l'acheter. Donc, ici, ça va être normalement une cuve. Et c'est bien fait parce que c'est bien un style de France du bâtiment et tout. Donc ici on mettra tout ce qui est matos. Je verrai bien ce qu'on pourra mettre comme matos. Voilà. La remorque, le problème c'est la remorque. Je crois que je vais la laisser en extérieur où je mettrai un bâtiment de plaçable. Je verrai. C'est bien là, c'est qu'on a le truc. Et bon. Allez, viens voir. Pour remettre les trucs, c'est cool. Bah là c'est fermé donc ouais c'est un peu dommage si on voulait se laver les dents non je rigole on a le truc les 8 grains on va partir de là-bas donc là on a l'lisier le fumier je pense que je l'ai pas vu donc ici on peut acheter hein. Si je fais P on peut acheter des vaches hein. Et ça marche hein. Ah. J'ai acheté des vaches bah, je vais vous montrer j'ai acheté une vache. Elle est pas là. Ah bah le fumier peut-être que ça stocke ici, ça se peut. Ça se peut, ça se peut. Allez, viens mon toutou, on va chercher Marguerite. Ça va être là-bas. Ça doit être là-bas. Ça va être ici. Alors les vaches traversent. Hein. Traversent ici, donc c'est très joli. Très, une map très vallonnée. Mon chien, je sais pas où il s'est foutu. Comme toujours. Bah, il a dû rentrer à sa base, peut-être. Et voilà. Les vaches fonctionnent. Ah, mais il est là. Eh ben. Voilà, il est content. Voilà. Donc, je vais la vendre, hein, de toute façon. Normalement, elle devait disparaître quand je devais machiner. Est-ce que ça s'ouvre ici? Non. Oh, c'est. De toute façon. Donc, voilà. Donc, bon, c'est pas fermé, fermé. Si, il y a une clôture. Il y a comment ça s'appelle hein? Ça existe vers chez moi des ficelles avec de l'électricité, avec une petite batterie ou autre, bah, une grosse batterie de bagnole ou un tracteur. Et là, on peut mettre tout ce qui est matos. Ouais, là, on mettra tout ce qui est matos. Par contre, là, moi, je sais même pas si elle va être dedans. On verra bien. Ou on la mettra le long, on verra bien. Ou je la mettrai. Ou je la mettrai au fond. Je la mettrai au fond ou je la mettrai dans ces cases. Je verrai bien. Je viens, mon toutou. Allez, viens, va rentrer à la base. Voilà. Donc, il n'y a plus. Voilà, il y avait cultivateur, il y avait ce. Non, le semoir, on avait en location, on avait la remorque. J'ai tout revendu, j'ai pas revendu mes champs. Ça, j'ai oublié. Donc, normalement, j'étais à. J'étais à combien? On va regarder, là je suis à 141 000, donc je me rajouterai les sous. 141 000 plus la vente des champs, j'ai oublié ça.
Ouais, bah, la remorque, on pourra, je sais pas où on pourra la mettre. Il y a deux silos, mais bon. On met un silo où tu mets tout ce qui est bazar. Puis ici, où on la mettra ici, de toute façon, on stocke. Où on la mettra là, regardez, ici elle sera bien. Puis là, on met tout ce qui est foin. Ou nourriture, j'avais pensé nourriture pour les vaches. Mais de toute façon, les nourritures pour tout ce qui est nourriture des vaches, elle sera dans la stabule. Donc voilà, donc c'est une petite vidéo. J'espère que la petite accélérée vous aura plu. Si j'ai réussi, si la vidéo est correcte, si ça s'est bien passé, l'accélérée, on verra bien tout ça. Donc c'est une vidéo très très courte. Je vais regarder sur mon portable, j'avais mis un petit chrono. Il est 10 minutes, voilà. Donc plus la vidéo, j'irai entre les 15 minutes, 15 minutes, ça ira très bien. Donc voilà. Donc pour ceci, donc changement de map, on est sur la map ardennaise pour ceux qui veulent. Voilà, je répète. Donc on a tout, le chien se promène, voilà. Bon, ici, je peux mettre un véhicule ou deux, donc les pailles, voilà. Donc une map que je vous conseille pour les petits PC. Là, je tourne à 20, ça dépend, 20 FPS. Pourtant, j'ai une configuration pourrie, mais ça tourne quand même, hein. Des fois je suis à 15, voilà. Donc voilà. Donc sur ce, alors, qu'est-ce qui va se passer sur la suite? Donc moi en off, je vais acheter plein de matos pour la ferme, hein, où il faut. Hein. Donc dans le prochain épisode, vous verrez tout le matos que j'ai acheté. Je vous ferai la présentation du matos que j'ai acheté. On verra si l'argent suffit, parce que là je vais commencer par bah, déjà le côté champ. Et si le voilà, c'est très joli, c'est voilà. Donc voilà, et on verra l'argent. Si je peux acheter faucheuse et tout, ou je l'aurai, je verrai. On verra bien. Parce que j'ai plein de choses en tête. Hein. J'ai prévu d'acheter un télescopique pour la paille et tout. Donc voilà. Bah, et je vais faire confirmer. Voilà. Donc on verra bien, on verra bien. Ah, voilà. Donc on verra bien pour les. Vous verrez bien. Si oui, déjà je vais acheter côté champ. Et après on verra en fonction des moyens. Mais de toute façon, je vais reprendre l'emprunt parce que j'avais emprunté, j'avais remboursé dans la vidéo. Peut-être que vous avez vu. Hein, si jamais ça marche. Sinon, bah, vous aurez que cette partie de 10 minutes. Donc voilà. Bon, moi sur ce, je vais vous laisser ça pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker. Ou à disliker si vous n'avez pas aimé. Mais dites-moi dans les commentaires pourquoi. Donc le prochain épisode, vous verrez tout le matos. Donc je vous ferai une présentation de tout le matos que j'ai pu acheter. Il y aura peut-être des trucs en location, mais ça se pourrait dans pas cet épisode, pas l'épisode qui arrive, mais l'autre, peut-être l'autre après, on commence à faire les animaux. Donc on verra bien. Donc voilà. Donc moi sur ce, je vais aussi pour cette vidéo. Donc quand je dis tout ça, abonnez-vous ça, machin. N'hésitez pas à la partager. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? N'hésitez pas à aller dans la description. Il y a tous mes liens. Hein, pour ceux qui veulent faire un don, c'est aussi tout dans la description. Il y a tout, tout, tout. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bye bye.